Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, je dois transmettre les excuses de la directrice de l'école, Michèle Bubenitschek, hein, qui aurait vraiment voulu être présente ce soir, mais qui est retenue par la cérémonie de remise des diplômes sous la coupole aux nouveaux diplômés de l'école. Et c'est donc moi, Christine Bénévent, qui suis professeure à l'école, qui est le privilège de vous présenter Olga Anadul. Hein, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir. Vous êtes donc professeure de français, titulaire de la chaire Oliver Edwin Williams, fondatrice et coprésidente du programme d'études médiévales de la Renaissance et de la prémodernité au Lafayette College aux États-Unis. Et donc, cette grande spécialiste de la littérature, de la rhétorique et du théâtre français des années 1450-1550 a une longue histoire d'amour avec la France. Vous avez été chercheuse invitée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en 2017 et nommée la même année donc chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques par le ministère de l'Éducation du gouvernement français. Donc son activité scientifique s'est traduite par de nombreuses monographies, éditions critiques, ouvrages collectifs. Trois d'entre eux sont sous vos yeux ici, donc les cinq sens entre Moyen-Âge et Renaissance de 2016, l'édition donc de la Nef des Folles dans la traduction de Jean Drouin et quelques autres en 2013. On peut citer également Amour, sexualité, médecine au 15e et 16e siècle en 2009. La sautille à 8 personnages en 2005. Et puis voilà, beaucoup d'autres que je ne mentionne pas. Mais donc Anna Olga Dul vient de publier Poétique du drame, drame du poétique, enjeu du sujet dans le théâtre, des rhétoriqueurs à Marguerite de Navarre, qui est paru cette année au Classique Garnier. Alors, il faut enfin signaler que Madame Dul est également co-conservatrice de l'exposition A True Friend of the Cause à propos donc de Lafayette et du mouvement contre l'esclavage qui a été organisée en 2016-2017 à New York, hein, dont elle a coédité le catalogue. Et elle prépare actuellement une nouvelle exposition internationale consacrée à Lafayette et les Amériques en partenariat avec les Archives nationales et l'École des chartes. À l'occasion donc du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Et donc nous aurons l'occasion de nous revoir et de collaborer dans les temps qui viennent. Voilà, et donc ce soir, elle nous propose une conférence donc intitulée « Des nefs des folles à l'éloge de la folie ». Donc vous avez une édition de l'éloge de la folie, mais qui n'est pas de Madame Dul sous les yeux. Donc, perspective transculturelle au tournant du XVIe siècle. Je vous remercie, Madame Bénévent, pour cette très belle introduction. Et je suis ravie d'être ici. Je vous remercie d'être venue un vendredi après-midi, d'être venue m'écouter. Je remercie l'école des chartes. Je remercie la direction et Madame Bénévent pour avoir bien voulu m'inviter. Parler aujourd'hui de mes recherches plus anciennes, peut-être plus actuelles aussi. J'aurais voulu vous parler de Lafayette, mais c'est encore en chantier. Donc, cette exposition qui se tiendra d'ici 2 ans peut-être produira un autre discours, je ne sais pas encore, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, merci. Observersi difficile corriguntur et stultorum infinistus est numerus. C'est à partir de ce célèbre verset de l'Ecclésiaste que s'élabore le discours satirique et moral voué à un très long avenir sous la plume de Sébastien Brandt, auteur du best-seller de la prémodernité Le Narrenschiff. Les citations que je vous présente ce soir seront tirées de ces ouvrages et j'ai aussi une iconographie. J'ai mis les titres des ouvrages dont vous verrez quelques échantillons. Adoptant la posture d'un sage allègre et un ton satirique imbu d'une verve stoïque,
le juriste alsacien se propose de guérir le monde de toutes les folies, c'est-à-dire des innombrables vices et péchés qui envahissent la société en cette fin du XVe siècle. Nourrissant le rêve d'une société utopique fondée sur la bonne morale chrétienne, Brandt fabrique une fiction didactique où les fous insouciants embarquent vers la Narragonie, pays de cocagne qu'ils n'auront jamais la chance d'atteindre, et l'équipage étant voué a priori au naufrage. C'est Edition Princeps du Narrenschiff. Et voilà, c'est la barque, le bateau, la nef des fous en train de, d'emporter les fous vers la Narragonie. Suivant sa publication à Bâle en 1494, le Narrenschiff fut traduit, ou plutôt adapté en latin, par Jacob Locher, disciple de Brandt. La nef originelle se transforme, s'agrandit, pour prendre la forme d'une œuvre humaniste, publié sous le titre de Stultifera Navis. Navis, pardon. Et voilà une image. Cette édition fut augmentée considérablement par ce disciple de Brandt. C'est-à-dire le Narrenschiff devient un ouvrage humaniste par excellence. Un vigoureux mouvement de diffusion et d'appropriation de la nef latine cette fois, se met ainsi en place. Elle se traduit en français, en bas-allemand, en néerlandais, en anglais, s'adaptant aux conditions de production et de réception propres à chaque ère linguistique et culturelle qu'elle conquiert, voire elle se métamorphose en œuvre indépendante qui ne garde avec le Narrenschiff que de faibles liens. En France, la Stultifera Navis paraît en 1498 pour connaître la même année une première traduction en vers intitulée « La nef des folles du monde », œuvre de Pierre Rivière. Et elle sera bientôt mise en prose et amplifiée davantage par Jean Drouin, bachelier en loi et en décret et translateur. Cette nef voit le jour à Lyon en 1499 par les soins de Guillaume Bassarin. Une autre traduction en prose sera publiée à Paris et celle-ci est l'œuvre d'un translateur anonyme que l'on appelle par convention l'anonyme de Marneuf. Lingue et polymorphe, mobile, les nefs illustrent avant la lettre le phénomène connu aujourd'hui sous le nom de transculturalisme. Forgé dans les années 1940 par l'ethnologue cubanais Fernando Ortiz, développé par la suite par Damien Erhard Wolfgang Welsch, le concept de transculturalisme se rapporte notamment à des domaines d'activité marqués par la mobilité, le contact, l'hétérogénéité, y compris la linguistique, la littérature et les arts. On pourrait s'interroger en effet sur les enjeux de la transculturalité des nefs des fous. Outre la verve satirique de Brandt lui-même, le dialogue entre le texte et l'image qui s'établit au sein de l'ouvrage, la critique tend à attribuer la mobilité des nefs à l'essor de l'imprimerie et notamment aux stratégies de marketing qu'elle met à contribution, facilitant la circulation, le contact et l'échange rapide des idées. Par exemple, grâce à l'imprimerie, des liens plus souples se tissent entre le texte et le matériel iconographique susceptible de conférer aux nefs de nouvelles identités génériques. Un miroir, une satire, un apologue, un doctrinal, une déclamation plus tard. Cependant, nous nous proposons de montrer par le biais d'un corpus hétérogène dérivé de la Stultifera Navis, les nefs des folles, que la variété, la diversité de conceptions et les qualités littéraires des ouvrages qui entrent dans sa composition tendent à s'uniformiser plutôt qu'à se diversifier, notamment grâce aux interventions des imprimeurs libraires. En France,
le corpus des nefs connaît une forme de transculturalité que l'on pourrait attribuer à l'entrecroisement du mouvement humaniste de la spiritualité et de la spiritualité chrétienne durant la pré-renaissance du XIVe et du XVe siècle, période marquée par une épistémologie et une esthétique hybride qui entraîne un changement dans la conception de la folie. Rationalisme, didactisme d'une part, déterminisme stoïque, spiritualité d'inspiration patristique d'autre part, la nef des fous se métamorphose en nef des folles. Quels sont les procédés textuels et iconographiques mis en place par les auteurs et les imprimeurs pour représenter la folie au féminin? Pour répondre à cette question, nous abordons trois textes représentatifs du corpus, les nefs des folles de Jos Baade, et de Jean Drouin et l'éloge de la folie d'Erasme à la lumière des théories de la connaissance et des valeurs morales et esthétiques qui y sont attribuées. Les cinq sens et la folie. Les théories de la connaissance qui se développent vers la fin du Moyen-Âge dans le sillage de la théologie thomiste postulent que des deux formes de connaissance dont est doté l'homme, la rationnelle et la sensorielle, c'est la première qui s'impose comme étant supérieure à la seconde. Sans entrer dans les détails ici, il faut préciser que ce modèle hiérarchique qui tire sa source d'Aristote s'appuie pour l'essentiel sur une analyse des modalités d'appréhension disponibles à l'homme. Si la connaissance rationnelle est susceptible de rendre accessible en s'appuyant sur plusieurs facultés mentales les universaux, abstraction investie d'existence objective, la connaissance sensorielle, quant à elle, tend à limiter l'appréhension effectuée à travers les sens à la perception directe, considérée a priori comme imparfaite perception, c'est-à-dire des objets matériels. Une telle position subordonnée s'expliquerait par la proximité des organes corporels, véhicules des sens extérieurs, et chargés de transmettre à l'âme immatérielle des stimules venant du monde matériel et par là susceptibles d'altérer sa pureté. Du fait même d'opérer sur le plan matériel, au contact direct des choses, les sens conduisent a priori à des erreurs de jugement moral et par là au développement des passions négatives ennemies des stoïques. L'enjeu pour le chrétien est précisément de parvenir à gérer les effets des passions en vue de maintenir la hiérarchie entre l'âme et le corps dans un équilibre parfait. La répartition des passions en fonction du système binaire des vices et des vertus, emblématisé par la folie d'une part et la sagesse d'autre part, qui sous-tend la didactique à partir du XIIIe siècle, vient répondre à une telle exigence. Le narenchif représente le point culminant de cette tradition. Cependant, la connaissance sensorielle jouit d'un regain d'intérêt à partir de la première moitié du XVe siècle, que l'on pourrait attribuer, pour faire bref, de deux orientations spirituelles d'apparence opposée, mais en réalité complémentaires. La première, qui tire sa source de la Genèse, se développe chez les pères de l'Église pour marquer la pensée des humanistes chrétiens associés au courant connu sous le nom de Devotio Moderna. Cherchant à analyser les effets pernicieux de la chute, les adeptes de ce courant tendent à attribuer les sens à Ève et l'esprit à Adam. Dès le IVe siècle, en effet, Ambroise de Milan fait le point sur le lien entre la sensibilité et le péché d'Ève. Dans l'ouvrage des Paradiso, notamment, Ambroise nous dit que, je cite, « Avant nous, quelqu'un a fait mention du fait que c'est par le plaisir et la sensibilité que le péché fut commis, en comprenant sous la forme du serpent la figure du plaisir et identifiant dans la figure de la femme la sensibilité de l'âme et de l'esprit. » Et il a affirmé que, selon les récits, cette sensibilité ayant été trompée, l'esprit devient pécheur. Et Ambroise ajoutait, dans l'Évangile, Dieu met en avant la parabole des vierges qui attendaient la venue de l'époux, avec soit des lampes allumées ou éteintes, qui sont données comme l'essence pure du sage ou l'essence corrompue du fou. C'est pourquoi, si Ève, c'est-à-dire les émotions de la première femme, aurait maintenu sa lampe allumée, elle nous serait emmêlée
elle ne nous serait emmêlée dans les mèches de son péché, ni ne serait-elle pas tombée de l'immortalité de la vertu. » Fin de citation. Pourtant, les médiévaux n'ignorent pas le rôle de la sensibilité dans l'activité contemplative. Dans son ouvrage influent, « L'échelle des moines », Gigues de Le Chartreux envisage une méthode de lecture sensorielle qui permet au prieur de goûter la douceur des sens spirituels en décrivant une échelle qui mène de la lectio à la meditatio et ensuite de l'oratio à la contemplatio. Le courant de la pensée, que l'on connaît sous le nom de Devotio Moderna, avec comme chef de file Gerhard Grote ou Gerd Grote, hérite de cette tradition. Ses adeptes cultivent une forme de piété chrétienne et de vertu radicale fondée sur l'imitation de Jésus-Christ, selon le titre même de l'ouvrage populaire attribué à Thomas à Kempis. Si la Devotio Moderna tend à mettre sur le premier plan de son programme la recherche de spiritualité contemplative détachée de tout contact matériel, elle accorde cependant une attention particulière au rôle des sens dans le mouvement ascensionnel de l'esprit, ainsi que l'a envisagé Gigues de Le Chartreux. La contemplation se fonde sur le contact physique du monde matériel, même si un tel contact est susceptible de brouiller le bon fonctionnement des facultés rationnelles, nous dit Gerhard Grote dans ses méditations. Vu sous cet angle, les cinq sens représentent des véhicules indispensables, mais redoutés par lesquels les périls du monde d'ici-bas menacent d'assaillir le chrétien. Il n'est donc pas étonnant que le discours moralisateur cultivé au sein de ce mouvement insiste davantage sur le péché et le vice de tous ceux qui se laissent guider par les plaisirs corporels et met en rapport les cinq sens avec les forces de la nature, telles que la mer, qui représentait encore à cette date un domaine de la mort. Il semble bel et bien que les nefs des fous et des folles soient le fruit de cette tradition. Cependant, au XVe siècle, les sens sont envisagés également sous un jour plus positif. En 1431, paraît la première version des trois livres du De Voluptate, De Vero Bono, dialogue de l'humaniste Laurent Valla, considéré encore controversé à cette date, où s'affrontent respectivement les points de vue de l'épicurien, du stoïque et du chrétien. Valla fait l'éloge des plaisirs comme nécessaires au bonheur du chrétien. Il nie en effet la possibilité d'un bonheur rationnel pur. Le De Voluptate est suivi en 1467 par le commentaire sur le banquet de Platon de Marcille Ficin, lui-même auteur d'un Liber De Voluptate, la première rédaction. Marcille Ficin, abordant la question du mécanisme d'engendrement de l'amour, fil rouge du banquet de Platon, tout à fois désir et moins de connaissance des idées, va évoquer les capacités cognitives des cinq sens, privilégiant toutefois la vue et l'ouïe comme étant supérieurs aux autres. Considérés déjà au Moyen-Âge comme supérieurs aux autres sens, car plus proches en essence et en fonction des facultés intellectuelles, la vue et l'ouïe représentent en effet des ingrédients indispensables de la doctrine des quatre fureurs, poétique, amoureuse, prophétique et mystique, base même de la poésie d'inspiration divine dont on sait la bonne fortune à la Renaissance du XVIe siècle. La nef des folles entre dévotion moderne et néoplatonisme. La diffusion de la nef latine de Locher doit son ampleur à l'activité des frères de Marneffe, installés à Paris à partir du XVe siècle auprès de l'université rue Saint-Jacques. Les frères de Marneffe publient des livres de dévotion, des livres d'heures, surtout en latin, qui portent la marque du mouvement de piété personnelle de la Devotio Moderna, à commencer par justement l'Imitatio Christi, qui paraît pour la première fois, Editio Princeps, à Augsbourg, 1473. Selon l'imprimeur humaniste Josbad, qui fait des études à Gand, au Collège des Frères de la Vie Commune, qui est considéré le berceau de la dévotion moderne, c'est à l'imprimeur libraire Angelbert de Marneffe que l'on doit l'idée d'un supplément de la nef des fous sur les cinq vierges. Dans la préface, Bad loue ainsi son futur homologue. Et je cite « C'est pourquoi, toi aussi, Angelbert de Marneffe,
toi, le meilleur des hommes, tu mérites d'être loué, je pense, toi qui t'es préoccupé d'ajouter ce couronnement à l'œuvre imaginée par lui, c'est-à-dire par Brandt. Cependant, sous la plume de Bade, qui se charge de composer le supplément à la nef des fous, la parabole disparaît du texte proprement dit au profit du récit du péché originel qui sera abordé par le prisme d'un apologue humaniste, et c'est les Stultiferae Naves. En effet, Bade réécrit le récit de la chute selon la tradition littéraire illustrée par l'apologue. C'était l'autre nom donné à la fable, est représenté par Ésope le Phrygien, et sur les traces de ce dernier par Sébastien Brandt, lui-même éditeur d'Ésope. La fable, par sa douce et joyeuse parole, je cite, se révèle bien adaptée pour retirer les folles et les attraire à bien faire. En outre, Bade fait appel à l'analogie rendue populaire par Brandt entre la folie et la navigation. Nous voici en présence d'une flotte composée de 6 navicules, dont 5 représentent les sens, avec comme capitaine la 6e nef, celle d'Ève en personne. Je cite, « À ce navire porteur de folie, dans lequel notre première mère, Ève, est appelée capitaine, 5 esquifs seront arrimés, commandés chacun par une femme insensée. » Car par ces 5 folles, nous pouvons comprendre sans erreur qu'il s'agit de nos 5 sens. Cependant, et voilà l'illustration, la première gravure hein, qui illustre l'entrée en matière et la nef d'Ève, la capitaine de cette flotte, très bizarre. Cependant, Bade, qui va imprimer et commenter de nombreuses œuvres classiques et humanistes, y compris Marcel Fissin et Laurent Vallat, est l'un des premiers théoriciens de la poésie humaniste d'inspiration néoplatonicienne. Dans un commentaire de Terence, notamment, Les Prenotamenta Interentium, 1502, Bade offre une synthèse intéressante de la doctrine des 4 fureurs de Platon, ainsi qu'elle ressurgisse dans un autre ouvrage influent de Fissin, le De Amore. Bade va même illustrer cette théorie de ses propres vers. Tout cela lui vaut des éloges des contemporains qui n'hésitent pas à saluer en lui l'un des meilleurs poètes latins de leur temps. Même si, à partir de 1512, c'est la piété chrétienne qui retiendra l'attention de l'humaniste. Les 5 sens deviennent non seulement les principes structurants et l'objet du discours d'une nouvelle nef qui prend pour cible les défauts de féminin, mais une manière d'illustrer la doctrine des fureurs et source principale d'inspiration poétique. Les 5 chapitres des Stultiferae Naves s'enchaînent de manière à illustrer ces doubles visées de la fable, l'utile et le doux, en conformité avec le schéma formel d'un prosimètre classique. Si la prose sous-tend les exemples moralisateurs, les vers, eux, font preuve de la volonté de l'humaniste d'émuler la beauté formelle de la poésie classique imbue de sensualité, mettant à contribution l'illusion de la présence par l'emploi des techniques oratoires telles que la prosopopée et l'ekphrasis. Le premier poème des Stultiferae Naves est une fiction poétique confiée à la nef de la vue folle qui invite les locuteurs, c'est-à-dire les citoyens d'Italie, à sortir de leur torpeur pour célébrer le renouveau de la nature. Outre l'usage de la prosopopée, Bade brosse une ekphrasis d'inspiration horacienne de la 4e ode, d'où il ne manque ni personnel mythologique, ni début printanière perpétuel, ni synesthésie. Tout semble adapté, en effet, à évoquer ce sanctuaire de Vénus, situé dans l'île de Chypre, lieu présumé de naissance de la déesse et modèle classique du locus amenus. Et vous avez la citation, je ne lirai pas. Peut-être « Pourquoi vous engourdir, hébété et oisif, citoyen d'Idalie ?» Le distique élégiaque fait ressortir davantage l'harmonie affective du locus amenus qui culmine par le topos horacien de Carpe Diem.
On dirait du Ronsard. Vierge, cueille la rose, tant que la fleur est neuve, et neuve ta jeunesse, etc. La seconde, la nef de Louis Folle, énonce d'emblée la supériorité de la poésie sur les autres arts, grâce à capacité plus fine à figer l'éphémère. Bade suggère que la poésie possède un pouvoir qui consiste non seulement à triompher de la musique, mais aussi à s'en rendre indépendante. Imitant le batelage des rameurs, qui est le sens du mot keleusma, c'est une forme poétique, Bade fait preuve d'une remarquable capacité à créer des sonorités et un rythme poétique particulier mobilisant le sens de l'ouïe. Le rythme des seleusmata gagne un pouvoir évocateur grâce aussi à la présence d'une forme de surenchère observable déjà dans les sylvées de Stas, à savoir l'anaphore Kedat, des vers qui sont cités ici, vaincu, Orphès de Thrace, etc. Donc je vous laisse lire. Et peut-être vous pouvez aussi essayer l'ascension des vers latins, je ne sais pas, peut-être. Dans le poème qu'elle récite, la nef de l'odorat fou, quant à elle, se livre à une longue énumération des noms de plantes et de substances exotiques telles que le parfum, l'ambroisie, la douceur du miel et du nectar, produits naturels de notre locus amenus. Voilà encore une fois des métaphores de la poésie consacrées par la tradition classique, ainsi qu'elles apparaissent par exemple chez Lucrèce, poète admiré par les humanistes. Et bon, je passe. Oui, je passe. Il y a toute une section sur le sens du goût et puis du toucher. Et je crois que nous pouvons imaginer ce que Bade veut nous dire dans ses poèmes. Mais en effet, tout comme les néoplatoniciens, Bade chante ici le pouvoir de la parole poétique à révéler la voie d'accès à la beauté par le biais de l'amour qui règne dans cette utopie franche d'interdit. Et vous avez là une citation très significative de cette tendance. La surenchère au négatif qui apparaît dans les quatre premiers vers suggère que toute la beauté de ce lieu constitue l'œuvre de la nature seule, que nul art, nulle peinture ne saurait imiter. En réalité, suivant la tradition classique, Bade fait ici le point sur la supériorité de la poésie sur la peinture en ce qui concerne sa capacité à immortaliser le plaisir éphémère d'une manière inaccessible à la représentation visuelle. Pour illustrer ce point, Bade évoque sur les traces de Cicéron la figure du peintre Zeuxis qu'il se vante de dépasser en talent imitateur en rendant la beauté naturelle mais éphémère du lieu idéal mieux que celui qui avait créé le plus beau portrait qui soit. Selon Cicéron, Zeuxis avait peint en assemblant les meilleurs détails, les plus beaux, des plus beaux modèles féminins, le portrait de la belle Hélène, l'être le plus soumis de par sa beauté fragile au pouvoir destructeur du temps. Certes, la prosopopée des nefs incarne les cinq sens cela correspond à un procédé délibérément sélectionné par Bade pour rappeler au lecteur qu'il s'agit ici d'un éloge paradoxal, que la Vénus terrestre ne devrait pas être confondue avec la Vénus céleste, selon la distinction faite par Platon dans le Banquet. La voluptas n'est pas la luxure. Les commentaires en prose de l'humaniste viennent souligner ce point. De vastes compilations d'exemplats, classiques et bibliques, tirées respectivement de Virgile, d'Horace, d'Olugel, de Juvénal et de l'Ancien et du Nouveau Testament, amplement commentées, forment les parties en prose. Tout en brossant un tableau synthétique des connaissances scientifiques et philosophiques anciennes et nouvelles, de l'origine, du fonctionnement et de la finalité des cinq sens, ce qui est nouveau à cette époque, les exemplats ont une vocation moralisatrice à l'encontre de la volupté, de la luxure. Qu'en est-il de l'iconographie?
suivant la mode des nefs imprimés, une dynamique intéressante s'installe entre le texte et l'image. Cette gravure orne le texte de Bade, ajouté par l'imprimeur, par les soins de l'imprimeur, par les frères de Marneffe. On comprend qu'il s'agit d'un gibelet de Marneffe. Mais aucune d'entre elles ne reproduit les gravures de la Stultifera Navis, c'est-à-dire de la variante latine de l'Ocher, malgré le fait que les frères de Marneffe disposaient déjà de ces bois. Les bois gravés qui illustrent les chapitres consacrés au sens personnifié en nef folle permettent de saisir d'emblée le message moral des Stultifera Narves grâce à un système de signes visuels détaillés et précis. Elle retient l'attention du lecteur par les analogies qui se tissent entre la femme et les animaux. Les figures féminines embarquées, personnifiant les cinq sens, saisies dans des postures fugaces, gagnent en valeur symbolique, suggérant la sensualité débordée grâce à la présence de figures animales inscrites sur les bannières des nefs à titre d'emblème. Il faut insister sur le fait que ces figures, absentes du texte latin, représentent notamment les péchés capitaux en vertu d'une tendance herméneutique qui s'inscrit dans la tradition des bestiaires pour prendre un essor au XVe siècle dans les sermons et dans d'autres formes de piété populaire. De manière corollaire, les animaux, dont certains réels, certains mythiques, qui figurent en guise d'emblème sur les voiles des nefs, contribuent à enrichir les réseaux métaphoriques qui se tissent entre la folie, la femme, les cinq sens et la navigation, tout en figurant et tout en figeant le sens moral de la composition. Si la femme incarne les cinq sens, les péchés qui se commettent sous leur impulsion évoquent le comportement des bêtes. Voilà. Inspiré de la Genèse, 3, versets 4, 5, la thématique de la gravure consacrée à la nef d'Ève s'inscrit dans une tradition littéraire et iconographique qui se développe au XIIIe siècle. Et merci d'avoir choisi cette image pour l'affiche. Au centre de la composition, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec comme personnage un serpent à tête de jeune fille, complice d'Ève, et un Adam innocent, mais incapable de résister à cette sorte d'invitation au voyage qui s'offre à lui. Cependant, l'élément visuel qui confère une signification morale à l'encontre de la luxure, symbolisée par Ève et le serpent, est la figure d'un basilic inscrite sur la bannière. Créature monstrueuse, à tête de coq et au corps de serpent, dont le venin aurait même causé la syphilis, le basilic emblématise notamment la luxure. La présence des deux diables rameurs habillés en fous sert de lien visuel entre ce péché capital et la damnation qui attend tout ce qui en tombe victime. Consacré au sens supérieur, la gravure de la vue folle se fonde sur une structure similaire à celle de la nef d'Ève, à ceci près que la scène biblique cède la place à une scène de la vie contemporaine. Au lieu d'Ève, elle représente une femme qui porte des vêtements de courtisane. La femme tient cet objet devant une lectrice qu'on peut lui rappeler sa propre vanité en conformité avec le message didactique implicite au genre du miroir, de speculum. L'analogie entre la vanité et l'orgueil est suggérée par l'image d'un paon, symbole de ce péché capital, sinon du repentir, selon les interprétations qu'en procure, par exemple, le Physiologus. La nef de Louis Folle, quant à elle, est sollicitée par trois figures féminines représentées à bord d'une nef. Deux d'entre elles sont en train de jouer de la harpe et du luth, instrument noble évoquant un milieu aristocratique, tandis qu'une troisième, qui porte le bonnet du fou, chante, tout en invitant les folles à les joindre. L'oriflamme de Louis Folle est décorée d'une perdrix. Oiseau diabolique, selon l'une des interprétations qu'en procure le Physiologus, et sur ses traces les bestiaires et les sermons, la perdrix symbolise la déception
et implicitement les séductions des sens, notamment les mélodies lascives faisant écho au chant des sirènes auquel Bad consacre une partie importante du chapitre traitant de lui. L'image suivante représente l'odorat fou. Au premier plan, des femmes habillées en folles s'occupent à cueillir des fleurs, tandis qu'une femme embarquée est en train d'humer un objet en forme de pomme tiré d'une boîte à senteurs, tout en invitant les folles à se joindre à elle dans la nef. La figure d'un singe symbolise le goût, mais aussi l'argent. Au sein de l'iconographie contemporaine aux nefs, y compris la célèbre dame à la licorne, cet animal représente à la fin du Moyen-Âge le diable et les péchés de toutes sortes. Selon l'acception des Naves, sa présence est symbolique de la nature basse de l'odorat, sens plus proche du goût et du toucher que de la vue et de l'ouïe. Gobelets, volailles, flasques, voici des images familières associées avec le goût. Des fous embarqués, dont l'un déjà ivre, évoque le péché de gourmandise et par extension la folie. Une figure animale à l'apparence d'un sanglier, symbole de férocité, d'instabilité et du diable, permet de pousser l'analogie entre le goût et le péché jusqu'à la folie diabolique. La gravure consacrée au toucher fou, le plus bas des sens, représente quant à elle des couples enlacés. Une aumônière entrouverte que tient la figure féminine occupant une position dominante par rapport à son partenaire à l'extrême gauche de la gravure, symbolisant entre autres les parties génitales de la femme, rend l'analogie entre le toucher, la femme et la prostitution davantage évocatrice de la luxure. Mais c'est la figure d'un bouc, symbole traditionnel du désir inassouvi, y compris le péché de luxure, qui confère à l'interprétation de l'ensemble une signification morale plus profonde, tirant cette nef du côté de celle d'Ève. Nef humaniste, qui fait écho au néoplatonisme et en particulier aux tendances novatrices de la poésie, la nef des folles constitue un véhicule de marketing sensoriel avant la lettre, dans la mesure où elle cherche à éveiller le goût pour la lecture selon une métaphore culinaire devenue lieu commun. Néanmoins, l'iconographie prolonge le message didactique des commentaires en prose, levant toute ambiguïté sur la signification morale des plaisirs des sens. Les cinq sens dans la prédication. En ce qui concerne la traduction des Stultifera Naves, la nef des folles selon les cinq sens de nature, dont Jean Drouin est le principal auteur, l'éloge de la poésie cède la place à la prédication populaire, tirée notamment d'un manuel de pastoral intitulé « Le doctrinal aux simples gens », composé en français en 1388 et attribué à Guy de Roy, archevêque de Sens. Sans oublier l'influence de Jean Gerson, ni la moralité du cœur et de cinq sens de l'homme, sortie de l'entourage du chancelier. De plus, la nef des folles françaises renoue avec la parabole des vierges folles, ainsi que le suggère le titre que vous pouvez voir dans cette gravure, faisant signe d'emblée de l'orientation antiféministe moralisatrice vouée à exhorter les femmes à contrôler leur appétit sensuel en tournant les cinq sens en outils d'apprentissage d'un modèle de comportement exemplaire. J'ai ici une longue citation du doctrinal, mais je ne crois pas avoir le temps malheureusement de vous lire cet extrait qui est très très significatif et montre vraiment les liens entre la nef française et le doctrinal, ce monument de pastoral de pensée antiféministe. La nef de Drouin n'est pas seulement une adaptation des Stultifera Naves, en dehors de la traduction de l'ouvrage de Bad, largement amplifié par Jean Drouin, elle comporte également 12 chapitres tirés d'une version en prose de la nef des folles du monde que l'on a tendance à attribuer à l'anonyme de Marneff évoqué au préalable. Ces chapitres sont consacrés notamment aux péchés capitaux, avec la gloutonnerie et la luxure comme cible principale que les prédicateurs, y compris l'auteur de Doctrinal et Jean Gerson, ne cessent de fustiger comme les résultats néfastes de la séduction qu'exerce sur l'individu l'essence dépourvue de garde.
Il n'est pas sans intérêt non plus que les chapitres en prose de la Nef des Folles du Monde qui figurent dans la traduction portent le nom de « doctrinal ». Pour faire le lien entre la traduction de Drouin et les chapitres tirés de la Nef des Folles, l'imprimeur a rebaptisé la pièce finale de Bade « De la mort », en conformité avec la thématique du Memento Mori, située au cœur de l'épilogue des Stultifera Naves. Ce morceau prend ainsi la forme d'un avertissement contre les conséquences fatales des tentations de la chair, faisant le pont entre les développements sur les sens et les dérèglements qui sont susceptibles de produire dans la vie sociale. Il en est ainsi pour les péchés de la langue et les excès de gourmandise qui menacent l'individu prisonnier des plaisirs, de l'ouïe et du goût fou. Et ça, c'est une gravure tirée de Brandt et de Stultifera Navis de Lohair qui circule d'une nef à l'autre, hein, et voilà, qui arrive à symboliser les péchés capitaux. Il y a ici notre gravure qui illustre la paresse et les danses lascives qui sont mises en rapport avec le toucher fou. Et enfin, l'omission des bonnes œuvres, c'est le titre de cette gravure, comportement répréhensible dû à des péchés commis sous l'impulsion de la folie des sens inférieurs, notamment le toucher. Et il est intéressant de noter que cette gravure illustre justement la parabole des vierges folles et des vierges sages, surtout des vierges folles, qui n'occupent qu'une place vraiment mineure dans la Nef des Fous de Brandt, mais qui devient ici vraiment l'emblème de la nef française. Sous la plume de... pardon. Oui... Il y a beaucoup de choses à dire sur cette parabole, mais je crois pas avoir le temps, donc je continue. Et je passe à parler maintenant de l'éloge de la folie à la lumière des nefs des folles. À première vue, rien ne permet de rapprocher la nef des folles, amplement marquée par la tradition didactique médiévale, de l'éloge de la folie d'Érasme, considérée comme une satire humanisée et humaniste par excellence. Lorsqu'en 1509, Érasme se met à composer son Encomium Moriae, c'est-à-dire l'éloge de la folie, dédié à son ami Thomas More, et Moriae, Moria, est un calembour sur le nom du protagoniste. Le texte sera publié en 1511 à Paris, chez Jean Petit et Gilles de Gourmont, et il n'est accompagné d'aucune image. L'éloge n'est au début qu'un exemple éminent d'un tour de force rhétorique. De fait, sous la plume de l'humaniste, l'exaltation des sens, et par leur biais de celle de la folie, prend la forme d'une déclamation, une fiction au sein de laquelle ce personnage, issu de la tradition dramatique, fait son propre éloge. Certes, le choix d'un genre paradoxal tel que l'auto-éloge de la folie doit beaucoup aux lectures de Lucrèce et de Valla, ainsi qu'à la satire lucianesque. Mais l'éloge est également tributaire de la tradition vernaculaire, de la sottie et de la Stultifera Naves et des Nefs des Folles que nous venons d'analyser brièvement. En fait, Érasme et Bade entretiennent des rapports amicaux. Bade publie la deuxième édition de l'éloge, en plus de 23 impressions d'ouvrages d'Érasme, tous antérieurs à 1524. Les deux humanistes semblaient voués à une longue amitié, origine nordique, formation, orientation idéologique, du moins jusque dans les années 1520. Pourtant, le chef-d'œuvre d'Érasme ne fut que rarement mis en rapport avec les Stultifera Naves. Une imprudence éditoriale de Rotterdamois contribua à éclipser de manière irrévocable, dès 1528, l'activité littéraire de Bade. En 1528, notamment, Érasme publie l'un de ses colloques satiriques les plus célèbres, le Ciceronianus, Sive de Optimo Genere Dicendi Dialogus,
où il s'en prend aux latinistes puristes qui prêchent l'imitation servile de l'art de Cicéron, allant jusqu'à montrer la supériorité du style de Bade par rapport à celui de Budet. Il faut souligner d'emblée l'usage habile que fait Erasme de la voix de la folie féminine incarnée par la Moria, à laquelle il confie, tout comme Bade, le discours de l'éloge de la voluptas, équivalent de toutes les passions engendrées par les cinq sens, y compris la luxure. En effet, Erasme n'hésite pas, non plus que Bade, à mettre le signe d'égalité entre la femme et la folie des sens. Et c'est une citation intéressante, car si Platon semble hésiter à classer la femme parmi les animaux raisonnables et ceux qui sont dépourvus de raison, c'est seulement afin de souligner l'insigne folie de ce sexe. S'il arrive qu'une femme veuille passer pour sage, elle ne réussit qu'à être deux fois plus folle, comme un bœuf qu'on mènerait au gymnase, malgré contre Minerve, etc. Cependant, la Moria n'oublie pas non plus de nous rappeler qu'elle fait partie des fous, plutôt des folles du monde, en insistant sur sa propre identité de créature conçue dans le plaisir. Suivant les recettes de la rhétorique de la déclamation, elle passe minutieusement en revue ses données autobiographiques, susceptibles d'illustrer les liens de la folie et de la volupté, en évoquant les circonstances de sa naissance, sa famille et sa patrie. Fille de Plutus et de la nymphe Jeunesse, elle se vante d'abord d'avoir été conçue en dehors du mariage, comme Erasme, c'est-à-dire dans la volupté pure. L'idée des liens qui unissent la Moria et la Voluptas se dégage aussi de l'illustration de la cohorte de suivantes de la déesse qui évoque des vices traditionnels au nom grec dont est donné, c'est-à-dire la volupté en personne. Par ailleurs, la Moria se réclame d'une parenté étroite avec Vénus, à qui elle se considère pourtant supérieure en ce qui concerne sa capacité à procurer du plaisir. Vénus elle-même, quoi qu'en dise Lucrèce, et c'est l'éloge de Vénus au début du chant premier de Rerum Naturae, ne contesterait jamais que sans le complément de mon pouvoir surnaturel, sa propre force est insuffisante et inefficace. À la différence de Bade, c'est-à-dire Bade, nous avons vu fait vraiment une distinction très nette entre la volupté et la luxure, Moria cherche au contraire à gommer cette distinction entre la volupté et la luxure. La Moria évoque enfin sa patrie, les îles Fortunées, dont la description est conforme à celle d'un locus amenus d'inspiration horacienne que nous avons retrouvé également sous la plume de Bade. Voilà le lieu d'une expérience synesthésique avant la lettre qui gagne en pouvoir évocateur grâce à la surenchère, procédé que nous avons déjà relevé lors de nos analyses des poèmes de Bade. Je ne suis venu au monde ni dans les îles enchantées de Lélos, ni dans la mer pleine de vagues, ni dans les grottes creuses, mais dans les îles fortunées. Partout, la vue et l'odorat à la fois sont réjouis par le moly, la panacée, le népenthès, la marjolaine, l'ambroisie, le lotus, la violette, jacinthe, les jardins d'Adonis, etc. Ayant révélé son essence, en insistant sur l'insouciance de la folie des sens, la Moria est prête à convoquer les muses, et cela pour faire preuve de son statut de déesse, possédant le pouvoir de rétablir le bonheur originel perdu. Mais Erasme fait délibérément confondre le bonheur suprême avec le plaisir des sens, qui se révèle ici supérieur au bonheur spirituel consacré par la tradition de la devotio moderne. Et elle dit, « Moi, je rétablis un homme resté identique dans la meilleure et la plus heureuse période de sa vie. » Il est évident qu'en choisissant ce ton facétieux, qui est le sien tout au long du discours, Erasme, à la différence de Bade, n'a d'autre but que de lancer des flèches contre l'une de ses cibles satiriques favorites, le stoïcisme. Si par ailleurs Erasme ne manque pas non plus d'évoquer l'apologue préconisé par Ficin et qui structure également les Stultifera Naves, c'est parce que ce genre lui permet de rendre plus sensible l'opposition entre la volupté et le discours philosophique de type stoïcien.
Mais pour revenir à mon sujet, quelle force a jadis réuni en cité des hommes qui étaient des rogues, des chênes, des sauvages, sinon celle des paroles enjôleuses, la cithare d'Amphion et d'Orphéna n'a pas d'autre sens, etc. Érasme, en réalité, est conscient de l'impasse d'un tel discours. Car comment faire l'éloge d'un dérèglement mental comme la folie, c'est-à-dire en quelle mesure pourrait-on tirer plaisir d'un tel discours si toutes les passions étaient maîtrisées, comme le voulaient les stoïciens, entend-on ? Comment créer l'illusion du bonheur suprême si l'on vivait dans un état d'ataraxie permanent ? Ou comment jouir de la nature seule, comme les bêtes, étant donné que l'on dispose aussi de facultés rationnelles qui nous poussent vers la recherche d'un type de bonheur élevé ? Enfin, comment serait-il possible de sortir du corps pour éprouver l'extase mystique si le corps fait partie de l'être humain tout aussi bien que l'âme ? L'impossibilité qui consiste à s'identifier au Christ, dont rêvaient les mystiques de la dévotion moderne, mais aussi les néoplatoniciens, et qui n'est pas sans séduire Érasme lorsqu'il fait l'éloge de la folie de la croix à la fin de son discours, ressort avec le plus de force du discours de clôture de la Moria, qui fait revenir la tonalité joyeuse du début de sa déclamation. Eh bien, bonne santé, applaudissez, bonne vie, bon vin, foule innombrable des initiés de Moria. Il faut attendre l'an 1515 pour que les dessins d'Holbein soient incorporés dans le texte, procurant des commentaires visuels des commentaires visuels sur les arguments de la folie, ainsi que l'a montré Christine Benevent dans un très bel article. De plus, Érasme, qui avait conçu un jeu littéraire vertigineux, aura censuré son propre texte, certes sous l'impulsion de ses propres critiques, en l'affublant de commentaires et d'excusationes. Comme l'a montré Christine Benevent notamment, le texte ainsi est maintenu, mais il sera laissé à l'interprétation et aux éventuels abus des lecteurs. En conclusion, fruit d'un mouvement transculturel au sein duquel la dévotio moderne et le néoplatonisme, la nef des folles, les nefs des folles soulèvent plusieurs problématiques. Le rôle des cinq sens dans les processus cognitifs, le rapport des sens avec la morale, la création littéraire et ses liens avec la représentation visuelle, enfin le rôle de l'imprimerie dans la gestion de tous ces éléments. L'esthétique de l'apologue, qui jouit d'un nouvel intérêt à cette époque, permet à Bade de distinguer entre le discours moralisateur traditionnel qu'il confie à la prose et à la voix du narrateur, d'une part, et la poésie élaborée par l'imitation des classiques, prise en charge par la voix de la folie des sens, d'autre part. Néanmoins, si les nefs des folles représentent des véhicules prémodernes du marketing sensoriel que les écoles de business portent aujourd'hui à d'inimaginables extrêmes, le souci moralisateur semble l'emporter sur l'élan humaniste, la prédication sur l'apologue, le doctrinal et le miroir sur la satire, l'éthique sur l'esthétique. Et ce n'est pas par le souci de l'auteur, ni celui du translateur, mais celui de l'imprimeur. Même Érasme, qui tend à brouiller les pistes d'interprétation de la folie des sens, dans la mesure où aucun dispositif formel ne permet de récupérer, d'encadrer la voix de la Moria, qui fait son éloge et qui fait la satire des autres, du moins dans l'état original de l'éloge, se montre soucieux, à partir des années 1515, de munir son discours d'explications et de commentaires, de rayer certains passages subversifs. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est la folie dispensatrice de plaisir qui parle et que les auditeurs-lecteurs
ne cesse de goûter l'aigre douceur de ses paroles, même aujourd'hui. Si la folie a pu alléger le mal de rein dont souffrait Erasme lors de la composition de son éloge, peut-être sa parole aurait-elle encore le pouvoir de guérir le monde contemporain de ses propres folies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olga Nadul, pour cette très belle conférence. Beau panorama donc sur les représentations textuelles et visuelles de la folie dans leur rapport donc aux cinq sens en particulier. Alors, nous allons prendre des questions. La conférence est enregistrée, donc si vous acceptez que vos questions soient enregistrées, il faut que vous attendiez que je vous donne le micro pour poser vos questions. Est-ce que quelqu'un... J'ai cru que vous leviez la main, pardon. Oui. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé justement de ce lien entre, enfin, de l'imprimerie comme véhicule de CNF, Et justement, quel lien, enfin, est-ce qu'on pourrait faire un lien entre la publication de CNF et les craintes aussi qu'il y a autour de l'imprimerie au moment de ces publications? Comment est-ce que José Bad parle de cette crainte qu'il y a ou que lui brave puisqu'il il publie en langue vernaculaire? Est-ce que vous avez pu voir ça, cet élément? Ah, mais c'est justement l'idée que j'ai essayé de promouvoir aujourd'hui, c'est que les imprimeurs sont conscients des audaces des poètes humanistes, oui, et des redécouvertes des classiques et de cette tendance vers le paganisme, n'est-ce pas, de la culture. Et ils sont très conscients, et c'est-à-dire ils font tout pour récupérer la tendance humaniste dans les éditions imprimées. Donc c'est pour cela qu'on voit les gravures, donc non seulement les commentaires des auteurs, parce qu'il y a des commentaires partout dans ces textes, mais il y a aussi les gravures que moi j'ai essayé de montrer, qui elles-mêmes récupèrent cette tendance païenne, si j'ose dire, de la culture qui est en train de se former, qui est en train de conquérir du territoire. Mais on est encore au début du siècle, donc on n'est pas encore en plein Pléiade, ça viendra plus tard, mais pour le moment, oui, tout à fait. Merci pour cette question. Une autre question? Alors, Clémentine. Je vous tends le micro. Vous avez parlé du travail du translateur, donc, et je me demandais, est-ce que le thème de la nef des folles a été traduit dans d'autres langues que, en l'occurrence, le latin et le français? Est-ce que c'est possible, traduction ou pas, Quelle belle question, je vous remercie pour cette question. La Nef des Fous, comme je l'ai remarqué au début, a été traduite dans plusieurs langues. Donc d'abord en latin, de l'allemand, en latin, puis bas allemand, français, anglais, néerlandais. Mais La Nef des Folles n'a pas connu de traduction, à part le français, c'est-à-dire c'était au début, c'était une composition latine, et puis il a passé en français. Mais il y a une chercheuse américaine qui s'est chargée de traduire en anglais ce texte, qui mérite une traduction, je crois, et qui mérite une diffusion beaucoup plus ample que celle dont elle a bénéficié pendant les siècles. En fait, il y a eu six éditions, peut-être cinq, au cours du XVIe siècle de cette Nef des Folles. Et puis après, elle a disparu, elle n'a plus représenté d'intérêt pour les chercheurs, même pas au XIXe siècle. Donc en fait, elle a été redécouverte très récemment. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Alors moi, j'avais éventuellement
Alors un petit appendice, mais que vous connaissez, mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'évoquer, c'est le fait que la première traduction française de l'Éloge de la folie, la déclamation des louanges de folie, donc il paraît en 1520. 1520. Oui, c'est ça. Est illustrée de bois qui viennent de la nef des fous. Voilà. Oui, et c'est un discours moralisateur. Donc c'est une perte, oui, cette traduction, parce que c'est une traduction en français. C'est bon, il faut célébrer ce moment, le texte souffre beaucoup, je crois, le texte d'Erasme. Oui, merci d'avoir évoqué, oui, cette traduction que j'avais quelque part dans mes... Oui. Oui, merci. Pourquoi parlez-vous de cette perte? Est-ce que vous avez 2 minutes pour la définir par rapport à d'autres? Oui, c'est clair, parce que... Et puis autre question, mais c'est celle d'un naïf, c'est pourquoi Strasbourg et pourquoi Bâle? Je veux dire, j'ai grandi entre ces deux villes et je dois dire que j'ai toujours entendu, et vous êtes effectivement la première à pointer l'importance de la nef des folles dans la, dans la tradition humaniste française. Donc, mais pourquoi? Est-ce que vous accepteriez de développer la question de la perte dans la traduction, oui. Oui. De 1920. La perte, je compare cette traduction à la traduction de la nef des folles latine en français. Donc il y a des commentaires, oui, il y a des développements moralisateurs ne sont pas vraiment présents dans le texte d'Erasme. Et donc c'est la même tendance qu'on observe chez les imprimeurs. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les ouvrages, surtout au début du siècle, les ouvrages humanistes, et l'éloge de la folie est vraiment un modèle, et emblématise, oui, la culture humaniste. On perd beaucoup lors de la traduction, surtout que la traduction ne se fait pas encore, c'est pas un dolé, oui, c'est pas, ce ne sont pas encore les grands traducteurs de la Renaissance qui essaient de respecter le mot. Mais c'est une traduction par le sens, c'est-à-dire, bon, on a une idée et puis on développe autour de cette idée. Et vous voyez, dans la nef des folles, oui, elle prend des proportions gigantesques par rapport à l'origine. Et c'est pour ça que je parle de perte, parce que les commentaires... je crois que les commentaires... mettent en question la valeur littéraire de ces textes. Oui. Merci, hein, c'est tout à fait. Oui. Alors, il me reste à vous remercier encore une fois, Olga Anadul, pour votre conférence, à remercier le public de sa présence et à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Oui, merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci.